Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon parcours. Moi, je suis d'origine libanaise, j'ai fait mes études au Liban et j'ai su très tôt que j'avais envie d'étudier la génétique et de comprendre la régulation des gènes. Je savais que c'était un sujet hyper complexe, mais je trouvais hyper intéressant en même temps. Donc, après mon bac, j'ai fait une première année de biologie à l'université libanaise de Beyrouth. Et pendant cette première année, on a eu des cours qui touchent un peu à tout, la biologie, la chimie, la physique, les maths. Et on a aussi eu des cours en biochimie. Et c'était des cours que j'ai adorés parce que je trouvais que ça nous aidait à mieux comprendre toute la complexité des processus biologiques. J'ai décidé de faire une licence et un master 1 en biochimie, toujours à l'université libanaise. Et pour mon master 2, j'ai choisi et j'ai été sélectionnée pour un master 2 en génomique et santé. C'est la thématique qui m'intéressait le plus. Ça s'est super bien passé et après, je voulais absolument faire une thèse. J'ai postulé pour une bourse à une association libanaise et je l'ai obtenue et c'était une bourse pour faire une thèse en co-tutelle entre l'université libanaise et l'université française. C'est comme ça que j'ai atterri à Montpellier en 2015 à l'Institut de génétique moléculaire pour faire ma thèse sur le rôle de la protéine FRA1 dans la régulation des gènes dans le cancer du sein triple-négatif. Pendant ma thèse, je me suis sentie très épanouie. J'ai adoré faire de la recherche. Mais à la fin, j'ai senti que j'avais encore envie d'élargir mes connaissances à d'autres protéines, à d'autres modèles. Donc pour cela, j'ai décidé de faire un postdoc. Et actuellement, je suis postdoc à l'Institut Cochin à Paris. Et je travaille dans l'équipe Interaction Hôte Virus, dans le groupe du docteur Stéphane Emiliani, qui s'intéresse principalement à l'étude des mécanismes moléculaires qui conduisent à l'établissement ou maintien de la latence du VIH. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui sont aussi passionnés par le métier de la recherche, n'hésitez pas à faire une thèse. Ça peut être difficile, mais c'est très satisfaisant.